Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à notre jeu préféré. Ah non, je rigole. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Amtaro Game. Les JO approchent, la France se prépare, ça vire les squatteurs, ça vire les immigrants pour les Jeux Olympiques. Oui, tout pour nos Jeux Olympiques. Voilà, donc je sais plus trop où est-ce qu'on en était pour être honnête. Je crois qu'on avait fini le programme de la journée, ou sinon on commençait une nouvelle journée, je sais pas. On regarde à la télé. C'est l'heure des infos du Studio Homme, présenté par Star Homme. Wesh, rouillant. Voici un résumé des résultats sportifs de la journée. Toujours plus haut, les perches nous ont donné des sensations fortes. Ah, attendez, il faut que je ferme la fenêtre. L'athlète ayant franchi la barre la plus haute est Vita de l'équipe Arc-en-Ciel. Félicitations! Voici les résultats des autres épreuves sportives. Un match passionnant comme on pouvait l'espérer. Les équipes ayant joué le match pour la troisième place sont l'équipe Ham-Ham et l'équipe Brochet. Les résultats sont les suivants. Avec un score de 1 à 2, l'équipe Brochet. Bien joué, Brocool. Les équipes ayant joué la finale sont l'équipe Arc-en-Ciel et l'équipe des Jungle. Les résultats sont les suivants. Avec un score de 2 à 0, l'équipe Arc-en-Ciel remporte la médaille d'or. Félicitations, Gracia. Voici les résultats des autres épreuves sportives. C'était un match très disputé. L'athlète ayant arraché le plus de carottes est Forcia de l'équipe Arc-en-Ciel. Félicitations. Et pour demain, surpassez-vous. C'était un reportage exclusif de Starham, la plus jolie journaliste du monde. Waouh! Ok, fantastique. Merci Starham. Ok, bah on va se coucher. On va enchaîner avec les épreuves, je pense. Parce que le jeu, il y a plein de petits secrets, de costumes à trouver, de dialogues à faire, mais en réalité, genre, j'ai choisi ce jeu parce que j'avais envie de me détendre les neurones. Bon, c'est pas spécialement le bon jeu parce que les épreuves, elles sont pas si simples que ça en réalité. Ça demande beaucoup de coordination et de réflexes. Mais on est deuxième cette fois-ci, alors que la dernière fois, on était troisième, je crois. Donc le but, c'est de. Ah! Jour 5. Voici le programme de la journée. D'abord, il y a l'épreuve de 4 nages à la piscine. Puis, il y a le tir à l'arc à l'enclos. Enfin, l'épreuve de voile part de la plage. Tu as compris? Oui. Alors fonce et donne-toi à fond. Bon, la voile, on va pas la faire en vrai parce que c'est galère un peu. On va un peu essayer, mais genre. Je pense que j'abandonnerai cette médaille d'or. J'ai pas envie de me battre pour l'avoir. On va aller faire l'épreuve des 4 nages. Coucou, j'espère que tu aimes les nuages parce que c'est l'heure des 4 nages. Pashima, Amidou et Amiral y participent aussi. Explication. Appuie sur A quand le signal apparaît. Après 3 faux départs, tu es disqualifié. Quand la marque atteint le côté droit de la jauge, appuie. Appuie sur A, puis sur B et ainsi de suite. Appuie en même temps sur la flèche de gauche et A. Appuie sur O, puis sur bas et ainsi de suite. Appuie sur A, puis sur O et ainsi de suite. Ok, bah c'est un jeu de timing en vrai. On va pas faire les entraînements. Je veux dire, je tryharde pas en réalité. Hein. Moi, je me détends. C'est l'occasion de s'amuser. Juste la boîte, je m'en souviens, c'était compliqué.
Allez, let's go. Ah! Je me sens con un peu là. Je crois qu'on va finir dernier, les gars. Ouh, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à battre les arcachous là, les arcs-en-ciel. Ah, l'équipe Brochet, elle était déter en vrai. Hein. Bon, on n'était pas très loin en vérité. Je pense que c'est une question de d'essayer les épreuves. Quand j'étais gamin, je m'entraînais, je tryhardais une épreuve et une fois que je la maîtrisais, je faisais l'épreuve dans les concours. Et ça m'arrange que ce soit les pirates là qui a gagné la médaille d'or. Ils vont pas prendre de la. Les arcs-en-ciel vont prendre moins d'avance. Donc allez-en en vrai. Il y a plein de graines. Ah, j'étais presque. Maintenant, il y a le tir à l'arc à l'enclos. On va rush. Le tir à l'arc a longtemps été un sport réservé à la noblesse. Je vais gagner! Ok. Allez, c'est parti pour le tir à l'arc. Coucou, c'est l'heure du tir à l'arc. Bijou! Explication. Le curseur bouge pendant que tu vises, tu peux le déplacer avec les flèches. Quand le curseur se trouve au milieu de la cible, appuie sur 1. Le meilleur score que tu peux obtenir est 10 points dans le 1000. Additionne les points obtenus par tes 6 tirs. Tu as 40 secondes pour décocher une flèche. Si tu dépasses ce temps, tu ne gagnes pas de points. Allez, let's go. Je pense que celle-là, on va pouvoir gérer. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Essayez le jeu vous de votre côté, téléchargez la run. Et essayez de faire les épreuves, même si... Mais à la manette, c'est plus simple que sur le clavier souris, hein. J'en doute pas 5 secondes. Ah putain. C'est... La dernière fois, j'avais mieux réussi. On va se concentrer. Enfin, je suis déjà concentré, mais c'est plus dur que ça en a l'air. Faut que je les mette dans le rouge, je pense. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai le nez qui commence à couler. C'est le stress. Faut me stresser, les abonnés. Faudrait que j'arrive à en placer une dans le mille, vite fait. Bon, dans le rouge, c'est déjà ça.
Peut-être que je vais obtenir la troisième ou la deuxième place. Là, je ne pense pas que j'ai un score de première place. Il faudrait une dans le mille. Ah, je me suis trop pressé. Parce qu'en fait, le temps que mon cerveau se rende compte que c'est dans le jaune, j'appuie sur A, il y a une latence. À troisième. À 3 points près. J'aurais dû plus m'impliquer. C'est ma faute. Mais après, tant que je me détends les neurones, je pense que ça marche. Peut-être que je devrais m'amuser à faire les épreuves en dehors du mode histoire. Je sais pas, je commence à réfléchir comme un tryharder. Je suis si déçu. Eh ben désolé l'équipe. Maintenant, il y a la voile à la plage. La voile, la dernière fois, on avait abandonné parce que c'était trop galère. En fait, quand tu déplaces le bateau, tu vois pas où est-ce qu'elle est la bouée. Et donc du coup, c'est assez compliqué de se repérer dans l'espace, là où on est exactement. Vous allez voir. C'est un peu galère et c'est un peu long aussi. Donc du coup, cette épreuve-là, ça ne me dérange pas de la... Regardez, alors, fais le tour des bouées dans l'ordre suivant. 1, 2, 3, 1, 3. Les bouées doivent être à ta gauche. Change la direction du voyant en bougeant la voile avec L et R. Après avoir fait le tour d'une bouée, le message point de passage apparaît. Dirige-toi ensuite vers la prochaine bouée. Après avoir validé la dernière bouée, il te suffit de passer la ligne de départ slash d'arrivée. Mais quand j'étais gamin, j'avais réussi à la faire, l'épreuve. En fait, j'avais réussi à avoir toutes les médailles d'or à toutes les épreuves. Mais je sais pas, quand j'étais gamin aussi, c'est ça un peu qui me dégoûte depuis que j'ai fait mon hospitalisation, c'est que mon cerveau, il est moins efficace. Elle est où la bouée? Voilà, on voit pas où est la bouée. Et là, je la vois, mais... Hey, Bon, on abandonne. J'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne et j'ai pas envie de me casser la tête. Bon, ça va, c'est les pirates qui ont obtenu la médaille d'or. Toujours possible qu'on gagne, je pense. Je sais plus combien il y a de jours exactement, peut-être 7. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel c'est de s'amuser en réalité. Je me prends pas trop au sérieux quand je fais ce jeu. Je suis pas un, je suis plus un, je suis jamais été un PGM en réalité. Je crois que ça va être ça le titre de la vidéo. J'ai jamais été un PGM. Ouais, c'est pas grave, t'as déclaré forfait. En fait, surtout ce qui est perturbant, c'est que quand tu déplaces ta voile, tu vois pas la bouée. Si encore on pouvait voir la bouée quand on déplace la voile, ce serait plus simple. De le faire, tu vois, mais voilà, moi j'aime la simplicité. Jouer à ce jeu, c'est pour me détendre, c'est pas pour stresser ou quoi. Donc voilà, on va enchaîner les épreuves. Mais voilà, jamais été un PGM. Même à Call of Duty et tout, hein, même si j'aimais beaucoup jouer, c'était rare les parties où j'arrivais à carry. C'est pas là-dedans où j'ai commencé à carry des games, à être le PGM, le meilleur. Le meilleur de comment ça s'appelle. Bonsoir, je m'appelle Aglafé. Qu'aimerais-tu visiter là maintenant? Je voulais mettre une maison close. Alors, quoique, il y a des gamins, il y a peut-être des parents qui vont mettre cette vidéo devant leurs enfants, donc on va mettre autre chose. Une étoile. J'aimerais bien visiter une autre étoile.
On peut changer la couleur. Sois honoré. Voici le programme de la journée. La première épreuve de la journée est le triple saut au stade. Il y a ensuite la natation synchronisée à la piscine. Et enfin, la finale de beach volley se passera à la plage. Voilà, tu as compris? Let's go! Alors fonce et donne-toi à fond! Mais voilà, ça. C'était il y a longtemps. Quand j'étais sur Game Boy avec ma Game Boy SP, je jouais à Hamtaro. J'étais chaud, j'étais déter, j'avais envie de réussir les épreuves. Explication. Appuie sur A pour commencer à courir. Appuie sur A quand tu passes les symboles A au sol pour prendre de la vitesse. Appuie sur B quand tu atteins la ligne blanche. Synchronise ta réception en appuyant sur B. Relâche B juste avant que la jauge ne devienne rouge. Ok. Bonne chance. Je crois qu'on a 3 essais. Il faudrait qu'on arrive à avoir une médaille d'or. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Bon, c'est 18 le maximum. Il a pas l'air d'être content, ça avait pas l'air d'être bien. Déjà, faut que je réussisse les un passage sur A. Oh! Oh non! Oh non! Pourtant, j'ai appuyé sur B. Faut au moins que je batte les dés jungle. Ah, ça avait l'air d'être mieux là. Ah, il est toujours pas content. Ah, bah je crois pas qu'on a eu la médaille d'or. Putain, 17. Ah, je me sens bête là. Là, je me sens nul. Ah, je me suis fait écraser. Ah, je me suis fait écraser. Le computer, il est plus fort que moi, les gars. Pouvoir aux machines. Investissez tout, tout le monde investit dans l'IA, les humains s'est dépassé. Un humain n'arrive pas à battre Hamtaro, Ham Game. Une étoile. Ah. Moi j'ai pas lu là, je suis un peu déphasé là. Il y a la natation synchronisée à la piscine. Bon, la dernière fois j'avais réussi à gérer la natation synchronisée. Elles sont déter les arcs-en-ciel là. Coucou, c'est l'heure de la natation synchronisée. Pénélope, Pashmina. Suis la musique et appuie en même temps. Appuie à temps en fonction dans la jauge et des cymbales. Lorsque le cercle jaune atteint le haut de la jauge, appuie sur B. Écoute la musique et appuie sur A quand les cymbales se percutent. Travaille ton rythme pour obtenir le score. Un score élevé. Le score maximum est de 100 000. Ok. On va essayer de faire ce qu'on peut, hein. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait travailler mon cerveau, ça le rééduque un peu, genre. Ça le rééduque. Là, ils m'ont embrouillé à m'afficher trop de trucs. Ah, j'essaye, les gars, je vous jure. Mais il faut des réflexes de Saiyan pour ce jeu. J'ai fait trop tôt.
Bah, j'ai raté beaucoup de cymbales. Ça va en vrai. Je pense que c'est sur 10. Peut-être qu'on est deuxième. Ah, quoique non, je pense pas. Je pense pas. On est deuxième. Parfait. Ok, on va prendre l'ascendant sur... Bah, quoique les brochets, ils ont gagné plus de médailles que nous aux dernières épreuves. Bon, au moins déjà, on a une médaille d'argent. Ensuite, il nous reste le beach volley. C'est marrant le beach volley en vrai. Attendez, j'ai pas vérifié le micro en vrai. Ah, ah ouais, c'est bon. C'est ma plus grande peur, c'est que depuis le début. Youtube! Maintenant, il y a la finale de beach volley à la plage. Si je peux gagner une médaille d'or, ça fera plaisir aux troupes. Mais voilà, vous cherchez des jeux pas violents, vous avez un tarot Am-Am Game. Explication. Premier à totaliser 7 points gagne, déplace avec les flèches. Envoie la balle en l'air à A, vise le terrain adverse avec les flèches et frappe à A dans un endroit difficile à attraper. Appuie sur A pour frapper ou recevoir la balle quand elle arrive sur toi. Appuie sur B, saute avec B, saute près du filet pour bloquer l'adversaire. Quand tu sautes, appuie sur A pour attaquer, appuie sur B pour feinter, tu peux viser avec les flèches. Allez, let's go. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Et quand je disais, ouais, ça rentraîne mon cerveau, ça. Ça qui est bien. Genre, c'est en finale. Ok. Ah, bah oui, c'est sûr que si j'y vais pas intelligemment, ça va pas le faire. Ils sont chauds les deux jungles en vrai. Hein. Ouais. Ah putain, elle gère bijou. Elle gère bijou. J'arrive plus à bloquer leur tir. Yes! Le bloc! Le bloc! Le bloc!
Le bloc! Ah, c'est les arcs-en-ciel qui sont passés. Bon, ça m'arrange parce que maintenant je vise la deuxième place. On va jouer à la Carrie un peu quand même, hein. Elle a fait tous les services. À nous deux, on est invincible. C'est l'heure d'aller se coucher. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et votre club était marqué comme à ne pas manquer dans notre guide de voyage. Ah, c'est donc lui, le fameux Rumpshit. Regarde, il dort. Je ne dors plus. Lionel, je vais me sentir si seul si tu t'en vas demain. Gouah! Nous reviendrons vous rendre visite très bientôt, amiral. Ah bah, je crois que c'est fini les épreuves. On va peut-être faire le marathon. On est deuxième. On est deuxième. Tout va jouer au marathon, je pense. Voici le programme de la journée. La dernière épreuve du tournoi sera le marathon qui part du stade. Voilà, tu as compris? Yes. Alors fonce et donne-toi à fond. Allez, le marathon, on va essayer de terminer troisième. La dernière fois, on a fini bon dernier. On galérait à faire le truc. Je sais plus comment ça se passe en vrai. Ils sont déter, hein. Coucou, c'est l'heure du marathon. Amidou y participe aussi. Explication. Écoute le rythme et appuie sur A selon ce même rythme. Si tu es bien synchronisé, la musique s'accélérera. Le rythme changera pendant les ravitaillements. Ok, donc c'est juste appuyer sur A. Ok, on va voir si on y arrive. Mais en fait, il y a un temps de latence, hein, ça appuie pas directement sur A quand j'appuie sur A. Il y a genre quelques millisecondes d'écart. Mais bon, la dernière fois, on avait fini dernier. C'est dur. Ok, je commence à comprendre qu'il faut écouter la musique plus que regarder l'image.
Bon. Aussi, ils sont déter les bottes, hein. Bon, ils nous ont battus haut la main. Je m'incline, j'espère qu'on a quand même notre place de deuxième. Ok. Bon. Il faut que j'arrive à les battre. Il faut que j'arrive à battre ce. Je sais pas combien de secondes. Bon, j'ai fait un meilleur score, mais on n'y est pas encore. Après, on avait plus de médailles d'or que les brochettes. Amtaro, entraînons-nous encore pour le prochain tournoi. Ouais, c'est ça la mentale. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et là, tu vas où? La cérémonie de clôture est sur le point de commencer. Amtaro, tu as de bons résultats cette semaine. La cérémonie de clôture est sur le point de commencer. J'y vais tout de suite. Ouais, Shruya! Félicitations à tout le monde! Nous allons annoncer le résultat final. Quelle équipe a gagné le plus de médailles? L'équipe ayant remporté le plus de médailles d'or est... L'équipe Arc-en-Ciel! Bien joué, félicitations! Et merci à tous les participants pour leur aide et leur soutien. Sois honoré. Recommençons encore une fois pour nous amuser. Nous nous donnerons à fond pendant le prochain tournoi. Au revoir. Bon, je sais pas combien j'ai fini, mais je crois que je suis deuxième. On a déjà vu le générique. Y a pas moyen de le sauter? À l'aise. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Amtaro, le match vient de commencer. Retournons-y encore une fois. Ouais. J'ai pas les résultats de la partie précédente, mais en gros, l'objectif, c'est de jouer jusqu'à ce que je sois celui qui ait le plus de médailles d'or. Pour ça, il faut que je réentraîne mon cerveau. Et donc, la prochaine fois, on fera un tournoi, mais on va s'arrêter là pour cette fois. C'était cool. C'était cool de se détendre comme ça, c'est un jeu qui met pas la pression, c'est un jeu qui stresse pas. Il est compliqué un peu en termes de coordination, parce que genre faut appuyer au bon moment sur A ou sur B, faut pas mal de, comment dire, de gymnastique cérébrale, mais c'est bien, ça réentraîne mon cerveau, ça rééduque mon cerveau, et donc du coup c'est une bonne chose que je joue de temps en temps à ce jeu. En plus il est dans le thème des JO, mais voilà, donc c'était cool. Franchement c'était cool, moi j'aime bien jouer à ce jeu, ça me rend plus à, c'est un peu, je suis un peu bercé par l'enfance. À 0% de cœur. Oh, j'ai pas d'amis. Carte joueur. Message. Oh, on peut changer son message. On va mettre Wesh Rouillard. C'est mon cri de guerre. Bon, ça sert à rien, personne qui dira jamais ça à part vous. Mais voilà, wesh, rouillard!
Voilà, bah c'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire. Dans les commentaires, proposez-moi des jeux, GBA ou même PS2, n'importe quel jeu. Peut-être que je les ferai. J'ai déjà fait Donkey Kong Country parce que quelqu'un m'a demandé. Je sais pas si je continuerai à le faire parce que c'est pas spécialement le jeu que j'affectionne le plus. Mais voilà, donc c'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!